Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les amis. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial parce que je l'ai prouvé moi-même. Voilà, j'ai opté pour moi-même. J'avais impérativement le besoin de s'emparer, de se le procurer, en fait. Je voulais un hub multifonction pour mes connectives. Moi, que je suis un pianiste, je suis un arrangeur, j'utilise beaucoup de choses, notamment mon clavier, ma carte son, voilà, mes différents USB. J'ai également plusieurs disques pour stocker toutes mes musiques, tous mes, voilà, je fais de la recherche musicale, donc j'en ai besoin des connectiques en 3.5, de l'USB 3.5, donc c'est pour cette raison. J'ai voulu quelque chose de sobre, quelque chose, donc quelque chose de joli, de compact, quelque chose de poly, multifonction, à plusieurs casquettes. Je voulais quelque chose de 3.0, donc je voulais pas un hub avec de la norme standardisante, merdique, 2.0, très lente et tout. Je voulais quelque chose de fast, rapide, limpide, fluctueuse et tout. Donc, design, fonctionnalité, quelque chose. Ah, je voulais une qui contienne une prise dédiée pour la charge et pas la charge lente, la charge tranquille, disons, plus ou moins fait, rapide, pas rapide parce que rapide c'est du 3.2. Celle-là c'est 2.4, mais c'est pas de la 1.0 de la charge merdique standardisante, c'est de la 2.4, donc c'est de la charge, disons, correcte. Ok. Plus quelque chose avec une alimentation à part. Donc celle-là, il nous promet qu'elle contient, voilà, un transformateur 15 watts qu'on peut l'utiliser pour plusieurs autres situation, donc c'est une norme standardisante également. Donc j'ai procuré un hub de la société Atola sur Amazon et je voulais quelque chose également de affordable, de raisonnable, donc entre 20 et 23, 24 euros, pas plus, parce que je vais pas dépenser 30 ou 35 euros pour un hub USB quand même. Quelque chose de qualitatif et quelque chose de raisonnable. Donc, un excellent rapport qualité-prix. Disons de la moyenne de 9 sur 10. 8,75 sur 10. Donc, on va faire, du coup, le test et le ressenti. Et on va essayer ensemble, la prise de chez Atola, en fait. Donc, on va faire rapide, rapide. On a un packaging qui se veut simpliste. Donc, un emballage très sobre, très correct, très dur. Donc, votre produit est très bien soigné. Vous craignez rien du tout. Oh, hop là. Cool. Et c'est clair et net. Voilà. Un petit manuel que j'espère qu'il contient du français en fait. Je suis pas sûr parce que souvent il y a le chinois et l'anglais, mais le français c'est rare. Ah, alors English, Dutch, chinois traditionnel et français. Ah, cool. Présentation vue du produit. Merci beaucoup à Atola pour le français, du coup. C'est très bien de, voilà, prendre en considération dans un marché français et de traduire les produits en français. Ça c'est cool, hein. Plus un. Alors, DCP, interrupteur arrêt marche. Ah, ok. Autre chose, je voulais avoir le contrôle total sur le hub. Donc, je pourrais activer une prise et désactiver l'autre.
pas désactiver la totalité ou activer la totalité. Ce n'était pas dans mes intentions, en fait. Je voulais quelque chose de fiable, flexible et, disons, fructueux pour mes besoins. That meet my need, quoi. My needs. Donc, voilà. Donc, il contient quatre prises avec quatre interrupteurs marche arrêt. Ça, c'est cool. Donc, laissons celui-là à part. On va y retenir après. Voilà. Donc, nous avons le A. Wow. Cool comme abat. Là, j'espère que ça marche. Voilà. Cool. Hop là. On va le déballer soigneusement, tout doucement. Hop. Regardez-moi cette finition, cette sobriété. C'est sexy comme abat. Ah, je vois. Donc, celle-là, c'est la prise dédiée pour l'alimentation. Qu'elle est alimentée, au fait. Cool. Donc, quatre prises USB plus une USB dédiée pour la charge. 2,4 ampères. Je précise, pas de 2,1, pas de 1,0, c'est 2,400. Donc, une charge plus ou moins correcte, plus ou moins rapide. Plus, voilà, le transformateur que je vous ai dit. Il va nous être utile pour plusieurs autres choses. Ça, c'est cool, au fait. Ah, il est trop long également. Donc, il doit y avoir 1,5 mètre, voire plus. Hein. Ça, c'est cool. Oh, merci beaucoup, Atola, d'y penser vraiment parce qu'on galère pour avoir une telle option. Bah, merci beaucoup, vraiment. Et donc, voilà. Ça, c'est le hub. Et ça, c'est du 3.0. Donc, toute la connectique est en 3.0. Donc, la racine à la hub, c'est de 3.0. Donc, cela booste au mieux. Donc, les capacités et les transferts et les rides et les voilà les enregistrements et les rides versions à travers le hub. Plus les connectiques sont tous du 3.0. C'est pour cette raison. Et je vous dis 19 € ou 21 € ou 20 €, c'est rien du tout parce que c'est tout en 3.0. Donc c'est un rapport qualité-prix que je trouve vraiment affordable, raisonnable pour voilà les interrupteurs mis à chacune des prises mises à part, donc elle est activée, désactivée, plus une prise spécialisée pour la charge. Ça, c'est une première, au fait, à part. Et bien entendu, son alimentation avec un transformateur 15 watts qui va du coup le l'essayer avec vous en live et en direct. Donc, on espère trouver du coup une prise disponible pour le faire. Et je vais vous montrer le branchement avec donc la caméra numéro 1 que j'espère qu'elle filme déjà. Hop, ah voilà. Donc, tous sont alimentés qu'on peut les désactiver les unes aux autres, les unes des autres, chacune à part, quoi, avec l'empresse, donc un appui long, quoi, long disponible, qu'on essayera de le capter à travers notre gimbal. Voilà, avec la caméra numéro 1. Voilà. Donc 3.0, je vais essayer d'insérer
une première USB. Donc, si vous voyez dans l'écran, il n'y a pas de souris. J'espère que vous voyez l'écran. Et maintenant, on va insérer. On va attendre un peu. Et ça marche. Nickel, on va... Voilà. Vous voyez dans l'écran, des fenêtres qu'elles s'ouvrent en fait, voilà. Donc j'ai le contrôle sur le PC. Je vais également insérer une autre USB. Et de mes articles universitaires en fait. Et on va voir le temps de réponse. Il faut, by the way, l'activer. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ça marche instantanément, quoi. Type PDF, on va lire. Donc, vous constatez que je suis en train d'ouvrir donc les USB ROM 60 numéros de la revue. N'oubliez pas que vous avez retrouvé chaque numéro au katakata. Hop là, l'application prenant toute la place disponible sur le clé. Vous disposez d'un stockage restant d'environ 2 gigas. Cool, merci beaucoup pour les 2 gigas supplémentaires et additionnels, en fait. On va également essayer de charger un vieux téléphone que j'ai ici, que j'espère vous l'aurez également. Donc, la prise photo, quoi, le cadre. Voilà, et ça marche. Pas cool, instantanément, hein. Donc, il charge. Si vous le voyez ici, ça charge. Un vieux téléphone, mais ça charge quand même. Voilà, plus 2 USB 3.0, donc en lecture. Qu'on peut insérer également d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà. Mon USB de Tera ou 4 Tera, je me rappelle plus. Et ça, c'est du 3.0 également. On va essayer pour cette jolie et profitable occasion, du coup. Et on va l'activer devant vous. S'il vous plaît, essayez de se concentrer sur l'écran. 1, 2, 3, 4. Et bah voilà, c'est un disque dur à 2 Tera, quoi. Ou même plus, je me rappelle plus. On va lire quelque chose. Il n'y a pas de souci, My Folder, n'importe quoi. Concert de piano. Ok, pas de son parce que je suis en train de filmer avec un micro externe et tout, donc je peux pas émettre de son. Ça, c'est normal. Mais vous voyez mon concert, en fait, c'est moi qui joue sur le piano, en fait. Cool. Bah voilà. Donc, le verdict, moi personnellement, je trouve que c'est un produit plutôt réussi, quoi. Donc, on va éjecter le GoPro, le Pro, disque dur externe plus, voilà, on va éjecter tout, en fait, pour les éjecter en toute sécurité. Voilà, ça c'est mon disque dur déjà utilisé. Ok, ça c'est l'USB des articles PDF de la musicothérapie, et ça c'est le dingle pour mon USB, ma souris et mon clavier. Bah, je lui offre un rapport qualité prix, et donc une note disons de 9 sur 10 ou même plus, 25 pour la sobriété et la qualité des matériaux utilisés, au fait.
Des fonctionnalités, donc une prise d'alimentation spécialisée 2.4 ampères, je le répète, c'est pas de la 2.1 et de la 1.0, c'est 2.4. Ça s'écroule. Voilà. Un transformateur 15 watts, ça c'est bien, donc il est alimenté. Donc 4 USB 3.0, voilà, activables et désactivables chacune à part, et ça c'est cool également. Donc on a librement le choix, et voilà, un vaste choix de l'utilisation de chaque USB, chaque prise à part, sans se prendre trop la tête des autres, de la totalité, est-ce qu'elle est activée ou pas. Donc on pourrait désactiver. Donc la souris ne marche pas. Et l'activer en pressant longuement sur la prise. Et du coup, ça marche. Je peux ouvrir mon PC. Je peux ouvrir des... Voilà, de partout, tranquille. En vous espérant une excellente fin de journée, un excellent week-end, si vous êtes dans n'importe quel emplacement du globe terrestre, puisque c'est une vidéo Amazon et c'est un partage d'expérience, et j'espère que cette vidéo vous sera utile un jour, dans 1, 2 ou 5 ans, sur, ou même 10 ans, sur Amazon, le marketplace le plus connu, mondialement connu. À très bientôt. The Amazon Guy, I'm singing out. Peace out.